toujours, voilà le deuxième épisode de ce vlog. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder deux erreurs communes qu'on fait souvent, que j'ai faites, et deux conseils pour démarrer le travail. Alors, première erreur que je voudrais vous conseiller d'éviter. Prendre du temps sur son temps de travail avec l'instrument pour réfléchir à ce qu'on devrait travailler. Je m'explique. Quand on commence à jouer, qu'on a l'instrument prêt et qu'on a un petit temps devant soi, il faut tout de suite se mettre au travail sur l'action, c'est-à-dire jouer quelque chose. Même si c'est quelque chose qu'on a joué la veille, même si c'est une gamme, quoi que ce soit. Éviter de passer par la tête et se dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je devrais faire, surtout pas qu'est-ce que je devrais faire. Pour tout vous dire, c'est une erreur que j'ai faite pendant des années. C'était celle de se poser la question en début de séance de quoi travailler pour rattraper le temps que j'avais perdu la veille à me poser la même question. Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est une mise à l'abîme un petit peu acrobatique, mais en tout cas, c'est pas du tout un truc à faire. Il faut éviter. Il faut commencer par un truc qui nous fait envie. Si possible, un truc qu'on a très envie de jouer, le dernier truc qu'on a entendu à la radio qui nous a fait danser, etc. Sauter sur l'occasion, sauter sur l'instrument, jouer tout de suite. Donc ça, évidemment, en commentaire, je suis prêt à débattre de ça avec vous, d'expérience. Posez-vous la question de savoir comment se passent vos débuts de séance de travail et pourquoi. C'est juste un peu ça que je veux initier aujourd'hui, si c'est possible. Une deuxième erreur à éviter, particulièrement pour les jeunes musiciens de jazz, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas très expérimentés encore. Donc, c'est se plonger dans les bouquins de théorie. Ça rejoint un peu la première, c'est-à-dire passer par l'intellect, lire des bouquins de théorie, d'harmonie, y compris des bouquins écrits par des gens très compétents, ou même des relevés de solo, enfin tout ce qui est écrit, en fait. Dans un premier temps, essayer d'aller directement à jouer, chanter, relever, imiter. Voilà, comme un enfant apprend à parler. On étudiera ensuite la grammaire, les choses un peu plus compliquées par la suite. Et quand on saura quoi aller chercher dans ces bouquins qui font parfois 1000 pages. Parce que la théorie du jazz, en gros, et surtout la théorie dont on a besoin en tant qu'improvisateur, c'est quelque chose d'assez simple. C'est pas quelque chose d'exhaustif qu'on peut trouver dans des bouquins. Et ça nous encombre plutôt qu'autre chose quand on est expérimenté. Et ça nous perd totalement quand on n'est pas expérimenté, qu'on ne sait pas quoi faire, quoi regarder. Donc, tenir à la distance, les bouquins de théorie, les bouquins de relevé, essayer de se concentrer sur ce qu'on a dans les mains, soi-même, et dans la tête, soi-même, déjà. Premier conseil, ne pas laisser son instrument dans la housse pendant des jours et des jours. Autrement dit, quand on ne peut pas travailler, pour X raisons, et l'instrument reste dans la housse, on rentre le soir, il est tard, on le pose parce qu'on n'a pas le temps, on ne veut pas faire du bruit, et puis il reste 3 jours dans la housse. Et je vous dis ça parce que je l'ai fait. Eh bien, ça, c'est un vrai conseil tout bête à appliquer. Mais dès le lendemain, on prend 5 minutes pour enlever la housse, la ranger, épousseter l'instrument, l'accorder, même le reposer si on n'a pas le temps de travailler. Mais il est là, il est prêt à nous parler, on est prêt à lui parler. Et au moment où on aura 20 minutes ou 3 heures pour travailler, on sautera dessus, il ne faut pas que je claque des doigts en même temps que je parle, et ça marchera. Et ça nous permettra d'avoir un maximum de temps et un rapport direct. Ça, c'est un petit conseil tout bête. Et maintenant, un deuxième conseil, un petit peu plus profond et qui va nous ouvrir un peu plus sur le travail que je vais présenter ici dans les autres vidéos. Je dirais qu'il faut avoir un chantier ouvert. Je vais mettre chantier entre guillemets. Qu'est-ce que c'est un chantier pour moi? Alors, ça rejoint ce que j'ai joué au début. Alors, ce que j'ai joué au début, c'était Manuel de Falla, une œuvre qui s'appelle Nana, qui est quelque chose qui est chanté en lyrique, et c'est la version de John Patitucci avec Adam Rogers. Un jour, j'écoutais ça, outre le fait que je trouve que la contrebasse est très beau dessus, mais c'est la partie guitare qui m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, un jour, j'ai sauté là-dessus, j'ai dit, première chose que je fais, je vais travailler, j'ai une heure devant moi, je vais relever la partie guitare et voir si elle est jouable, la contrebasse. Et bien ça, c'est un chantier. Ça m'a pris probablement 6 ou 7 semaines pour arriver à la mémoriser, arriver à trouver les solutions techniques, etc. Donc un chantier, c'est ça. C'est quelque chose qui est trop élevé, d'un niveau un petit peu trop élevé pour soi, au début. On se dit, tiens, ça peut-être que je ne vais pas y arriver. Et qu'on doit programmer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça m'est arrivé avec d'autres œuvres, on en parlera plus tard. Mais en tout cas,
essayer de, ça va permettre de réconcilier un petit peu le temps court, qui est le temps du travail, le temps instantané, le temps de l'improvisation aussi, et le temps long, qui est le temps de l'apprentissage, le temps de la programmation, etc., sans que l'un pollue l'autre. En fait, c'est la question que j'essaie d'aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on est dans le temps court, il faut être instantanément réactif, pas avoir de problème de housse à enlever, pas avoir de choses à se poser, des questions à se poser. Mais en même temps, être capable d'avoir sur cette envie-là quelque chose de compliqué. Voilà. Alors ça peut être pour un musicien un tout petit peu plus jeune, ça peut être un thème bop, ça peut être un thème tout court. Ça peut être une œuvre comme ça, une partie de guitare, ou une œuvre pour violoncelle de Bach, ça évidemment, il y a tout un... Voilà. Je vous conseille donc de réfléchir à ce que vous pourriez faire comme projet, comme un relevé de solo évidemment, hein, puisque on l'a vu dans la précédente vidéo, ça c'est quelque chose qui peut aussi prendre beaucoup de temps et se programmer sur longtemps. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'attends éventuellement des commentaires et des discussions avec vous. Et puis à la prochaine, pour la prochaine vidéo. À bientôt.